Nous assaisonnons l'oignon et d'autres légumes. Nous grillons aussi l'arachide pour celles qui veulent en faire des cacahuètes. Le matériel de cuisine que nous utilisons est fabriqué à l'aide du fût que nous partons acheter chez le forgeron. Le fût est très résistant. C'était moins cher avant, mais aujourd'hui, nous achetons le fût à 10 000 francs CFA et nous le donnons au forgeron pour fabrication. C'est très cher, c'est très rapide quand même pour les grillades. Le fût est très utile. Nous le transformons en beaucoup de matériel. Nous achetons le fût avec les commerçants et certaines stations après avoir les vidé de leur contenu en huile et gasoil. Après, nous les transformons en poubelles, en brouettes, en gamelles, en seaux, en mâchoires pour les animaux. Avec le fût, nous faisons aussi les poêles pour la cuisine. Souvent, il n'est pas facile de l'avoir. Avant, on achetait le fût à 600 voire 650 francs CFA. Mais aujourd'hui, il faut aller jusqu'à 5000 voire 10 000 francs CFA. Ça dépend des fûts aussi. J'ai même formé beaucoup de jeunes dans ce domaine. Cela contribue à réduire le chômage aussi. Ça leur épargne du banditisme et du vol. C'est un travail qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Nous parvenons à subvenir aux besoins de notre famille avec ce métier.